Salut à toutes et à tous, c'est Picassora, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 4 de notre Let's Play sur Call of Duty Modern Warfare 2, édition 2022. La dernière fois dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait la mission au-dessus de la frontière, enfin quand on était passé par-dessus le mur de la frontière pour arrêter le terroriste, et on n'y était pas parvenu. On s'était fait sauver in extremis par notre pote, moi j'étais persuadé qu'on allait crever dans les flammes comme un caca. Et du coup, aujourd'hui, nouvelle mission, on va, je pense, essayer de capturer de nouveau le méchant. Comme d'habitude, on va faire que ça pendant plusieurs missions jusqu'à ce qu'on y arrive. En tout cas, bon, j'ai rien d'autre à vous dire, du coup on est parti. Je relance la mission! Hassan est de nouveau sous la protection du cartel à Las Almas. Hassan transporte quelque chose de gros vers les États-Unis. Nous pensons que cela pourrait être des conteneurs de missiles. Mais nous ignorons combien il y en a et quelles sont les cibles. La seule façon de le découvrir, c'est de capturer Hassan et de l'interroger. Nous enverrons Soap et Ghost sur place, ainsi que tous les hommes nécessaires. Là-bas, ils s'uniront aux forces spéciales mexicaines. Nous ne pouvons pas déclencher une guerre au Mexique. Évidemment. Je demanderai l'aide de Philip Graves et de la Shadow Company. Leurs règles d'engagement sont plus souples et nous permettront d'agir plus efficacement. Bien, Général. Alors allons trouver Hassan. Alejandro! Sergent McTavish! Appelle-moi Soap. Lieutenant! Aswell dit que tout le monde vous appelle Ghost. En fait, je crois qu'il préfère qu'on l'appelle. Ça suffit. Bienvenue dans la ville des âmes. J'étais jamais venu au Mexique. On n'est pas au Mexique. On est à Las Almas. J'ai peur de nous envoyer des gars en renfort. Ils sont en route avec du matériel. Faudra de la place. Ma base est votre base. Bien. Et où est Hassan? La planque du cartel à 10 km d'ici. Montez. Vamos, muévanse! Voici mon commandant en second, le sergent-major Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. Vous parlez espagnol? Non. Vous apprendrez. Camion blanc, quatre armées à l'arrière. Hé, hey, tranquille. C'est rien. C'est normal ici. Les armes dans les rues relèvent de la juridiction de la police. Et où est la police? En fait, Las Almas a un sérieux problème. Rares sont ceux qui respectent la loi et la plupart de ceux qui résistent à la corruption disparaissent. Et les militaires dans tout ça? Eh bien, en raison de notre entraînement, le cartel a tendance à recruter des soldats. Pourquoi pas vous? On a grandi ici. On nous appelle Los Vaqueros, les cow-boys. On adore cet endroit. On est prêt à mourir pour le défendre. Excusez-moi, je parle pas beaucoup, mais j'écoute l'histoire. Hein. Les enfants ont des armes et des ballons. C'est pas commun. Leur générosité leur permet de gagner la confiance de la population. Même des enfants. Surtout des enfants. Il y a quoi sur ces draps? Narcomantas. Couverture du cartel. Des messages d'El Sin Nombre. Des avertissements pour marquer son territoire. La mort est partout ici. Qui est Sin Nombre? El Sin Nombre. Le sans nom, le chef du cartel de Las Almas. Où on peut le trouver? On peut pas. Personne ne sait qui il est. Mais il est partout. C'est bien ça le problème. Mais los vaqueros aiment mes défis. Avec votre masque, vous vous intégrerez facilement ici, Ghost. Oye, calme là. Saute derrière qui fait un signe de la main en mode ta gueule. Tourne à droite, on va essayer d'éviter. Pourquoi? Certains soldats sont à la botte d'El Sin Nombre. Comme je vous l'ai dit, il est partout. Le cartel cache Hassan dans un village de l'autre côté du fleuve. Espérons qu'il y soit encore. Chef d'équipe, mettez-vous autour de moi. Ok, reçu. Prêt à tirer, vaqueros. Muévanse. Où est-ce qu'il garde Hassan? Bâtiment blanc à deux étages, derrière la ville. Ok. Est-ce qu'on va réussir à le choper cette fois? Non. Attelez Victor, tenez-vous prêts. 3, 2, 1. On y va! On y va! Ok, let's go. On retrouve donc Soap. On avance.
M4 avec silencieux. Et le cartel a pris ses quartiers. PDSW. Ok. Maintenant. C'est l'endroit parfait pour cacher Hassan. Avance. Contact. À tous les victors, rentrez. Ok, mort. Ils sont morts. Faut avancer. Il y a un mec là-dedans. Ah. Couché. J'ai peur du coup qu'il soit partout. Ok. Tu sais qu'il fait du bruit derrière. Hein. Putain, c'est mes potes. Il passe devant moi. Dégagez. C'est pas tard, il était là-haut. Après ça, on s'occupe d'Hassan. Le cartel va tout faire pour l'exfiltrer rapidement. Alors soyons plus rapides qu'eux. Attention, ils nous attendent. Ouvre cette porte. Bon. La porte chien, il m'a fait peur avec son fusil à pompe. J'ai raté, pardon. Ah, c'est sur l'ennemi qu'il faut tirer, Pendero. J'ai raté encore. Bon. C'est bon. Joli tir, hermano. Aucun signe d'Hassan. J'ai raté deux flashs. Hein. Dégagez. Ok. Qu'est-ce qui est arrivé à ces familles? La salle m'a fait régner la terreur. J'ai raté deux flashs, putain. Va voir la porte, prépare-toi à bouger. Attends. Victor 2, ici 1-1. Lancez un fumigène. On sécurise l'extérieur. Reçu. Fumigène lancé. Ok, on est parti. Où est ta famille, Alejandro? Je préfère garder le secret. Pour les protéger. Compréhensible. Ouverture déployée. On avance. Ok, on est parti. Soup, suis-moi. Allez, on y va. C'est là qu'il cachait Hassan. Il y aura de la résistance. À toutes les équipes, établissez un périmètre. Préparez-vous à entrer. On y va, on y va. Ok, vas-y, go. Ok. Bien joué, ça. Ok, allons chercher Hassan au premier étage. Oups. Si Hassan est là, il est dans cette pièce. Bien joué, mec. Il y a personne là-dedans. Salope, je l'avais pas vu lui. Vas-y, sécurise la pièce, je te couvre. Hassan n'est pas ici. À tous les victors, bâtiment ciblé sécurisé. Aucune trace d'Hassan. Bien reçu. Bah, il s'est barré. Ils l'ont exfiltré. Quand? Récemment. La force Al-Qods, c'est son drapeau. Il était là. Les renseignements d'Alejandro étaient corrects. Commandant, l'armée débarque. Oh merde. Merde. C'est quoi ça? L'armée. Elle vient en renfort. Négatif. Ça va, repliez-vous, vite. Compris. Qu'est-ce qu'on fait? Couvrir mes hommes. Une fois en sécurité, on se replie. Tu me demandes d'attaquer l'armée mexicaine? Non, hermano. Ces troupes sont payées par le cartel. Ils aident le cartel à protéger Hassan. Ok, bah on les défonce. Ne tire pas. On doit assurer la défense de mes hommes. Plusieurs véhicules. Transport de troupes. Blindage léger. Ok. Tirez pas. Laissez-les approcher. Je vais les allumer, les frérots. Ils sont blindés. Tire dans le casque. C'est leur point faible. Attendez, quoi. Ils visent la tête, c'est le point faible. Ils utilisent des boucliers. Utilise oh, j'ai ça. Oh, bah, alors là, les frérots, vos boucliers serviront à rien. Oh, oh, ça déménage. Reçu. Dirigez-vous vers la planque. Ok, c'est bon, mes hommes sont en danger. Alors en avant. Ah, sa mère. Allez, ouvre la fenêtre, frérot. J'arrive pas à sauter. C'est bon. Allez, allez, on avance. L'armée est juste derrière nous. Compris, j'y vais. Faut descendre. Y'a que dans les montagnes qu'on pourra les semer. Courez, mais ne vous éloignez pas. Ok. Oh putain.
Rodriguez! L'armée nous pourchasse! Il a pris une bastos! Mets-toi à couvert et contre-attaque! Il le repérait. Ça a été touché, Armano! Ça a touché la place. C'est bon? Ça va, c'est rien. Pour l'instant, mais faut pas rester là. Allez, go! Ah, il est vivant! Tu connais ces montagnes? Bah, lui, il est pas comme vivant. Comme ma poche. Mais l'armée aussi. On ne pourra pas les repousser. Il s'est fait on doit partir. Rodriguez, demande l'extraction. Oui, commandant. Allez, Rodriguez. Il est où ton pote d'ailleurs, la Rodolfo, je sais pas quoi. Il est pas là, lui? Et où est-ce qu'il est parti? Contact! Ah! Stop! À couvert! Oui, oh, colonel. Merde. Il est mort aussi, lui? Stop! Cachez-vous derrière les rochers! On les attaque avec des tirs de suppression, puis on avance. Tout le monde meurt! Rodriguez, établis le contact avec contrôle. Contrôle, ici Victor 1. On demande une extraction immédiate au pont de la rivière de la Salmas. Vous me recevez? Contrôle, est-ce que vous m'entendez? Oh merde. Je suis assez loin là normalement. Terminé? Pour l'instant, il y en aura d'autres. Continuons. Allez, allez, on avance. Rodolfo. Non, on a perdu le contact. Puta, allons-y, par ici. Puta. Les montagnes bloquent le signal. Ton camarade a reçu notre appel? Espérons. C'est quoi le plan? Il y a un pont qui traverse la rivière plus loin. C'est là que se fera l'extraction. Ici, il n'y a personne. Mais wesh! Des soldats sur la ligne de crête! Ils ont des lance-roquettes maintenant! Je manque de munitions! J'ai des munitions! Je les massacre. Tout le monde va bien? Affirmatif. Donne. On peut continuer. Ah oui, j'avais vraiment plus de balles. Suivez-moi. Quoi. Putain, il m'en a refilé 225, ça fait plaisir. Il va falloir sauter. On peut y arriver. Hasta la muerte, hermano. Ah d'accord. OMG. Je saute. Oh putain, c'est limite, hein. Les enfoirés sont pas loin. Alors, Alejandro. Saute, avance. Rodriguez, continue de tester la radio. Les autres, ouvrez l'œil. Y a peut-être des snipers. Mais putain, les OMG. Utilise cette corniche. Il doit y avoir un moyen de grimper. Ici, là. Okay. Attrape le rebord au-dessus, hermano. Ok, je passe par là. Rodriguez, tu captes quelque chose? Négatif. Non, c'est pas par là. On doit aller jusqu'à la rivière. C'est par où qu'il faut que j'aille? Par là? Trouvez. Attendez. Ok, j'ai trouvé. Vous entendez ça? Un hélico. Oui, mettez-vous en position de tir. On va les prendre par surprise. Okay. Le pont, c'est par où? Droit devant, derrière l'hélico. Ils vont essayer de nous barrer la route. Va falloir dégager le passage. Ok. Donc l'hélico, il est devant, là-bas. Feu à volonté! Ah merde, ça arrive sur le teco, là. Sur quoi, frérot? À part sur Fur là. Ah, mais y'a un gars là! Ok, y'a Rodriguez. Oh, c'est bon, Rodriguez il est invincible, il a survécu une balle de sniper. Il est invincible. Dégagez! C'est bon? On grimpe! Le pont n'est plus très loin! Y'a que moi qui fais tout le taf, les gars, hein. Vous tirez sur personne! Il est possible qu'ils aient posté les tireurs dans le coin. Faites attention. Le pont est là, okay. En bas. Aucun signe de l'équipe d'extraction. Ils ont pas reçu le message. Putain de merde. On essaiera de les contacter une fois en bas. C'est ça le pont ? OMG. Vas-y, je te suis, mon ref. Saute, sergent. Attention, vous mettez les pieds. Ces falaises sont dangereuses. T'as l'air de savoir où tu vas. On s'est chez les cours. Et on venait jouer ici. Jusqu'à ce que le cartel prenne ce quartier. Ah, merde, exactement. Mais c'est pas... L'arrivée des narcotrafiquants a tout changé. Mais c'est pas ici qu'il faut jouer quand on est enfant. Là, 100%, il y a un sniper qui va tirer sur un gars. Sniper, oh bah voilà, qu'est-ce que je disais. Féro. Non. Oh putain. Sniper abattu. Joli tir, mec. Bah ouais, mais ils ont tué Rodriguez, putain. Il y a même pas 2 minutes, je disais qu'il était invincible. Ils sont au-dessus. L'armée nous suit de près. On va les distancer. Ils sont juste au-dessus, je crois. Bouge, sergent. J'arrive, j'arrive. Putain, mais... J'ai dit que le gars était invincible, il s'est fait OS par un sniper.
vous amener tout droit dans un cul-de-sac, mec. On va devoir sauter. Tenez bien votre arme. Ah oui, d'accord, ok. Bah allez, c'est parti, hein. Ouf. Très bien, hermanos. Affirmatif. Tu fais un plat, tu meurs. Je reprends mon souffle. Descendez la rivière jusqu'au pont. Utilisez les rochers pour vous mettre à couvert. À toutes les unités, ici okay. Victor 01. Vous me recevez? Shadow 1, ici Shadow 1. Vous me recevez? Répétez, est-ce que vous me recevez? On commence à capter quelque chose. Je crois que c'est un Américain. Et voilà, feu à volonté. Contact droit devant. Feu à volonté, mais j'ai pas mon arme. Je vais me foutre à l'abri. Est-ce que je peux prendre mon arme quand j'arrête de nager? Couvert. Ah ouais, je peux prendre. Ouais, mais du coup, si je me mets à couvert, j'arrive. L'armée a fait venir des renforts. Ok, mort. Mais putain, c'est qui me pousse là? Ah mais OMG, c'est le courant. Putain, je croyais qu'il y avait un gars qui me poussait depuis tout à l'heure. C'est juste le courant. Il aurait pu nous mettre au courant qu'il y avait du courant. Continue de remonter la rivière. Attends, je reload, il y a encore un gonze là. Mais bon, il y a une balle qui est touchée dans la tête. Allez, c'est bon. Oh, pourquoi est-ce qu'il s'énerve lui? De toute façon, je vous suis les gars. Moi, je sais pas où faut aller. Voilà. Oh putain, encore. La rivière nous ralentit. C'est moins profond là-bas. Continue de nager, t'arrêtes pas. N'importe quel être humain serait déjà mort, frère. Jamais de la vie tu survis quand t'es dans l'eau comme ça. C'est où faut aller? Ah ouais, putain, c'est vrai qu'ils sont sous l'eau, j'oublie à chaque fois moi. Véhicule sur le pont, ils sont pas des noms. Merde. C'est l'armée. On doit résister et demander l'extraction. Là, on a pas le poids contre ces blindés. Ici Shadow 1, j'attaque le pont au nord de votre position. Danger allié proche. C'est qui celui-là? Le commandant Graves de la Shadow Company. C'est il est avec nous. Shadow 1 ici, Bravo 07. Joli tir. Continuez. Wow. À toutes les unités. Eh ben c'était pas mal les gars. La voie est libre. Et puis de bon. De vous revoir les gars. Pareil camarade. Par ici. Merci à Graves. Je ne sais pas qui c'est. Graves, on a trouvé un véhicule pour l'exfiltration. Bien reçu. Faites attention, on a peut-être localisé Hassan, à 2 km au nord de votre position. C'est sur le territoire de la Salmas. Ils ont un complexe là-bas. Ah ! Montez ! Allez, on est parti. Du coup, fin de mission là ? On se tire. Je pense. Conduis. Les gars, prêts à capturer Hassan avec un appui aérien ? Allez, faut qu'on aille choper ce connard. Bien reçu. On se rend vers la cible directement. Shadow 1 terminé. Re tout le monde. Bon, et ben écoutez, fin de la mission, un petit peu courte comme souvent malheureusement en ce moment, mais j'ai pas le choix, je fais une mission par épisode. Du coup, on n'a pas réussi à choper Hassan comme d'habitude, mais on a réussi à échapper au cartel. Bon, écoutez, dans la prochaine mission, et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de choper Hassan comme d'habitude. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. C'était Picassora, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. A plus tout le monde et portez-vous bien.